Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine on se retrouve pour deux recettes de salade. Et pour cette première recette, ce sera une salade avec des galettes de patates douces et courgettes. Évidemment c'est une salade repas. Alors pour les ingrédients, il vous faudra pour la base de votre salade, une carotte, deux asperges, un oignon nouveau, une tomate, un morceau de concombre, un avocat et deux feuilles de batavia, enfin de la salade qui vous fait envie. Et ensuite pour nos galettes, donc vous aurez besoin d'une courgette, d'une patate douce, d'un œuf et de 35 g de fécule de maïs, donc de la maïzena. Alors pour commencer notre recette, on coupe grossièrement notre feuille de salade, notre tomate. Là en fait, on constitue vraiment la base de notre salade. Donc ça, moi je vous donne une idée, mais vous faites exactement ce qui vous fait envie. Moi j'aime beaucoup faire ce genre de salade composée en base de salade. Donc je mets aussi un oignon nouveau que j'ai mince. Et ensuite la carotte, donc je vous conseille toujours de prendre des légumes bio, donc la carotte je la râpe évidemment, enfin j'enlève la peau. Et ensuite je fais des lamelles avec mon économe, voilà, pour apporter un peu de croquant, pour pas mettre des carottes râpées on va dire en quelque sorte. Je trouve ça très sympathique dans les salades. Ensuite on passe au concombre, alors vous pouvez l'éplucher ou non, moi j'aime bien l'éplucher. Et je vais le couper en gros cubes. J'en mets pas mal de concombre parce que je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur dans cette salade. On rajoute un avocat, bon ça j'en mets de partout, j'adore l'avocat, c'est je pense mon fruit, je crois que c'est un fruit préféré. Donc j'en mets dans toutes mes salades. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez ce qui vous fait envie dans cette salade, c'est surtout au niveau de la galette que ça va apporter l'originalité. Et pareil pour les asperges, moi je les aime crues, donc je les coupe très très finement, vraiment le plus fin possible. Si vous avez une mandoline, vous pouvez faire également à la mandoline. Voilà, comme ça le fond de notre salade est prêt. Alors ensuite on passe à la confection de la galette. Donc on prend une courgette et on la râpe grossièrement dans une grosse râpe comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi râper au robot si vous en possédez. Hein, voilà. Et vous râpez la courgette entièrement. Et ensuite vous faites exactement la même chose avec votre patate douce. Donc vous la râpez au même diamètre, je vais dire, que votre courgette. Alors une fois cette étape terminée, vous mettez dans un saladier votre œuf et votre maïzena, vous mélangez bien. Si le mélange vous paraît trop épais, vous rajoutez un petit peu d'eau comme j'ai fait, afin de le diluer un peu plus. Et vous transférez vos légumes préalablement râpés dans un saladier plus grand, et vous rajoutez par-dessus votre mélange maïzena plus œuf. Voilà, c'est ça qui va donner la consistance à notre galette. On obtient un genre de pâte, on va dire. Et ensuite, évidemment, vous assaisonnez bien votre mélange. Moi, je mets de l'ail en poudre, un peu de piment, du sel et du poivre. Alors ensuite, on passe à la cuisson. Donc, on met de l'huile neutre, ici de l'huile de tournesol, dans notre poêle. Le temps qu'elle chauffe, j'assaisonne ma salade avec du vinaigre balsamique et un petit peu d'huile d'olive, tout simplement. Vous pouvez très bien faire une vinaigrette. Et je dispose des grandes cuillères à soupe de galettes que je moule directement comme ça dans ma poêle. Et je les laisse cuire à feu vif, environ 2 minutes de chaque côté. Mais ça, c'est à vous de vérifier la cuisson, ça doit être bien doré des deux côtés. Voilà, comme ceci. Il y a toujours Ella qui vient, quand elle sent l'appel de la nourriture, elle vient toujours me voir. Et vous n'avez plus qu'à les disposer sur votre assiette. Alors bon, moi, c'est vrai que j'ai fait une assiette très copieuse. Vous pouvez en mettre 2, 3, 1, c'est vous qui voyez. Moi, j'en ai mis 4. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à la liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça serait vraiment super cool. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera également une vidéo recette salade repas. Ciao !